Très bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que dans votre portefeuille, votre filofax ou votre porte-monnaie, tout s'est bien passé, que vous avez pu quand même réaliser des économies. Nous, on va voir eh bien, ensemble mes économies, ce que j'ai pu réaliser cette semaine. On va voir aussi le remplissage pour une nouvelle semaine. Par rapport à l'alimentation, du coup, là, vu qu'ils ont prévu un temps magnifique, eh bien, bah, on avait prévu de la viande, des boissons, etc. pour se prévoir un ou deux barbecues tranquillement ce week-end. Donc, c'est chose faite. Et, mais du coup, bah, voilà, ça a fait augmenter aussi l'enveloppe alimentation par rapport à d'habitude. Donc, il y aura moins d'économies dans cette enveloppe. Mais c'est pas très grave, on s'est fait plaisir, c'est le but aussi. On n'a pas dépassé, c'est le principal. Donc on va regarder ensemble un peu plus en détail ce qu'il me reste dans chaque enveloppe pour pouvoir eh bien, ensuite les remplir pour une nouvelle semaine. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve sur mon bureau avec mon portefeuille. Donc on va regarder ce qui reste dans l'alimentation. Hop. Donc, j'ai réussi à avoir des billets de 5. Donc ça, je suis trop contente. Ça, c'est des tickets. Ça, c'est mon crayon pour faire mes courses. Donc, j'ai de la monnaie. Donc déjà, au niveau de l'alimentation, il me reste 10, 15, 20. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc il y a deux billets de 5, ça c'est plutôt cool. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc 5 euros, 10, 12, 14, 15, 16. Alors il y a 10, 20, 25 euros et 16 centimes. Donc ça, c'est plutôt cool déjà au niveau de l'alimentation. Ensuite, plaisir enfant. Eh bien, j'ai utilisé des sous aussi pour les enfants cette semaine. Les 10 euros. On a été se manger une petite glace. Donc ça, c'est les 30 euros à ma fille. Donc on les laisse dedans. Et du coup, il reste 1 euro... 2 euros 70 pour l'enveloppe sur les 10 euros. Achat maison et restaurant. Donc restaurant, on n'a rien fait, les 30 euros sont là. Et maison, bah, j'ai encore les 20 euros, donc ça c'est cool. J'ai hâte qu'il restait de la petite monnaie là. Je regarde. 20 euros, donc ça c'est bon. Là j'ai combien? 20, 30, 34 centimes. Perso. Donc ça, c'est de la monnaie, mais je laisse pour moi. En fait, si vous voulez, j'ai repris mon mari. Mon mari m'a donné des sous, en fait. Et là, il me reste 4, 5, 6 euros dedans. En fait, il m'a offert un massage spécial femme enceinte. Donc, il m'avait donné des sous pour que je puisse aller faire mon massage. Et au final, bah, il s'est avéré que c'était moins cher que ce qui était prévu. Parce que pour la première prestation, eh bien, la dame faisait 10 euros. Donc, du coup, eh bien, bah, sur les sous qu'elle me... que j'aurais dû payer, eh bien il reste 6 euros. Donc je les laisse dedans. On ne sait jamais si j'ai envie de me faire un petit achat. Au moins je sais que j'ai encore 6 euros qui n'étaient pas prévus parce que bah, ce mois-ci j'avais pas mis d'argent perso pour moi. Santé, eh bien il y a toujours les 30 euros, j'y ai pas touché. Carburant, donc j'ai été mettre le plein. Enfin j'ai mis le plein. Non, j'ai mis 50 euros.
dans la voiture. Donc, je suis venue récupérer dans mon classeur du mois 50 euros. Et pour Izzy, c'est bien, je lui ai acheté des croquettes. Il y avait une promo à Leclerc sur les croquettes qu'il prend. Donc, du coup, j'en ai profité. Et bah là, il me reste 10 euros. Mais comme c'est une enveloppe pour le mois, je laisse. Voilà. Donc, du coup, on a 10, 20 euros. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh, attendez. Hop, on va faire comme ça. Hop, 3, 6, 7, 27, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 28 euros 10. 12, 14, 16, 18, 19 et 20. Et bah, je suis plutôt contente. C'est top. On a de la monnaie, on a des billets. C'est formidable. Allez, on prend le classeur du mois et on va compléter tout ça. Si tout ne se casse pas, la lunette, bien sûr. Voilà, voilà. Alors, on va compléter les pièces dans un premier temps. Hop, je vais vous mettre comme ça, vous allez voir. Alors, les pièces de 1, du coup, j'en ai combien? 6, il me semble. 3, 6. Plus 6. Pièces de 1, j'en ai pas. Pièces de 50, j'en ai 2. Pièces de 20 centimes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ici, j'en ai plus une. Pièce de 5 centimes, j'en ai pas. Pièce de 2, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et pièce de 2, 1 centime, j'en ai 2. Oups. Voilà, donc ça, je vais compléter après pour le reste. Au niveau des challenges billets. Donc, du coup, j'en ai 2. Donc, ça fait 160 euros dans cette enveloppe, plus de l'argent qui est resté de l'année dernière. Donc, ça, c'est plutôt top. Hop. Donc, ça, pour rappel, c'est pour les vacances, petites glaces, etc. Même si on ne part pas cette année, si je n'utilise pas la totalité, de toute façon, je garderai pour l'année prochaine. Ici, alors il y a un billet de 10 ici parce que j'ai eu besoin de prendre dans mes billets de 5. J'ai pas eu le choix, donc j'ai fait une modif. J'ai pris deux billets de 5 et j'ai mis un billet de 10, ce qu'il me fallait absolument. Si j'ai un billet de 10, eh bien je mets un billet de 10 de côté. Donc on est arrivé à 180 euros pour ce défi là aussi, qui est donc pour les vacances aussi. Hop, s'il veut bien se mettre. Et donc cette semaine pour le mois de mai, et bien du coup au niveau des billets, il n'y a rien. Voilà, il n'y a que en pièces. Et puis pour mes challenges cette semaine, bah écoutez, c'est plutôt pas mal quand même. Je suis très très contente quand même malgré tout. Le principal, bah, c'est de ne pas se retrouver dans le rouge, hein. Donc pour moi, le challenge est quand même relevé. C'est de ne pas me retrouver dans le rouge, de ne pas avoir dépassé mon budget. Donc c'est très bien. On va remplir donc pour la nouvelle semaine. Donc pour la nouvelle semaine, et bah comme d'habitude, on prend donc 100 euros pour l'alimentation. Plaisir enfant. Et bien on va prendre 10 euros. C'est vrai que comme il fait beau, bah du coup on est sorti, on a été se balader. Profiter du soleil, manger une petite glace. Voilà. Ensuite, achat maison, bah, il n'y a rien. De toute façon, c'est déjà dans mon enveloppe. J'ai besoin de rien d'autre.
Perso, bah, il n'y a rien. Santé, c'est bon. Carburant, c'est bon, c'est fait. Et bah voilà, c'est bon pour la première la deuxième semaine. Le remplissage est fait. On boucle tout ça. Donc voilà, on a fait le bilan de cette semaine. Comment vous dire que pour moi, ça va très très bien. Même si j'ai pas mis de billets dans mon enveloppe économie semaine, c'est pas grave. Le but surtout, c'est de pas être en négatif, de pas avoir pioché dans d'autres enveloppes. Et que de toute façon, j'ai pu quand même faire des économies sur les pièces. J'ai pu remplir mon challenge 5 euros, mon challenge est 10 euros. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, écoutez, on repart pour une nouvelle semaine. On va voir les économies que je vais réaliser cette semaine. En sachant que cette semaine, eh bien, va falloir vraiment que je fasse un point sur mes placards, mon congèle. Parce que la semaine d'après, je rentre à la clinique pour accueillir bébé qui va venir le 16. Donc voilà, je vais essayer de faire les courses la semaine prochaine au mieux que je peux pour mon mari qui n'est pas à courir partout. Parce que moi, comme c'est une césarienne programmée, c'est 5 jours minimum à la clinique. Donc j'aimerais quand même qu'il n'ait pas à courir à gauche, à droite. En plus de devoir gérer les enfants le matin, l'emmener à l'école. Après, il va venir passer la journée avec moi à la clinique. Il repartira en fin d'après-midi pour pouvoir récupérer les enfants à l'école. Et le soir, je voudrais pas qu'il court partout, qu'il ait ce qu'il faut à la maison pour pouvoir préparer à manger les repas. Voilà, sans stress, tranquillement. Qu'il ait ce qu'il faut. Donc il va falloir que je fasse ça cette semaine, que je check un peu tout ça, voir avec lui tout ce qu'il va avoir besoin, qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce que je peux acheter pour pouvoir l'aider pendant que je ne serai pas là. Là c'est pareil, je suis en train de checker aussi au niveau du linge, dès que j'ai une panière, je lave tout de suite, comme ça au moins je sais que quand je vais partir à la clinique, tout le linge sera propre et les armoires seront pleines. Bon, j'aurai du boulot quand j'ai rentré, mais au moins, je sais qu'il n'aura pas à se dire qu'est-ce que je vais mettre aux enfants, quoi que ce soit, parce que au moins toutes les affaires seront propres. Voilà, je profite de faire ce petit point en fin de vidéo. Et puis voilà, donc là tout se termine, tout se prépare, j'ai plusieurs examens à faire, il faut que j'aille faire des tests avant, donc samedi prochain il faut qu'on aille faire un test PCR, moi et mon mari, avant de rentrer à la clinique le lundi, c'est obligatoire pour pouvoir rentrer à la clinique, ils nous ont demandé de faire ça. Voilà, et puis voilà, ça va être une nouvelle aventure qui va commencer, on a trop hâte, le temps passe, est passé très très vite, autant au début on trouvait le temps long, que là maintenant on se dit, ça y est, là ça va arriver, donc voilà, donc on a hâte d'accueillir Vévé, on a hâte de la voir sa petite bouille, et même si ça va être plein de changements, une nouvelle organisation d'une famille avec 3 enfants, je me dis d'autres, pourquoi pas nous, hein, on va y arriver, on va s'en sortir, une nouvelle organisation, une nouvelle, plein de changements, que du bonheur, de toute façon dès qu'il y a un enfant qui arrive, c'est plein de bonheur, mais bon, il faut pas oublier que on a aussi le déménagement qui va suivre, là les travaux sont en plein dedans pour pouvoir aller au plus vite, pour qu'on puisse aménager le plus vite possible. On est censé aménager mi-juillet parce que là où on est actuellement, il faut qu'on rende les clés fin juillet. Donc il faut aussi qu'on puisse faire le ménage ici, quelques petits travaux avant de rendre les clés. Voilà, donc ça va être la course. Ça va être la course, mais bon, mon mari prend son congé paternité. Donc ça c'est pareil, on ne sait pas comment ça va être pour le paiement. Au niveau de la sécu, est-ce que... on ne sait pas. Donc on s'est dit que de toute façon on avait de l'argent de côté. On prendra dedans pour faire notre budget. Et puis dès qu'on touchera l'argent de la sécu, on remettra de côté l'argent qu'on a déplacé. Le temps que pour pas se retrouver le bec dans l'eau et
de pas savoir à quel moment on va être payé. Au moins, on se dit on a de l'argent de côté, on va utiliser cet argent comme si c'était la paye de la sécu. Et puis, dès que la sécu aura versé, eh bien, on remettra dedans pour être sûr que, bah, au niveau des comptes et tout ça, que tout roule correctement, que j'ai pas à galérer en me disant mais on n'est que payé qu'une partie et puis le reste après. Non, au moins on se dit on va faire comme ça pour la gestion, ça sera beaucoup mieux pour moi et pas de stress, etc. C'est pas le moment avec bébé qui sera là et tout ça, donc on fera comme ça. Voilà, en attendant, je vous en remercie encore énormément pour tous vos messages. Ça me touche beaucoup, je reçois plein de beaux commentaires, plein de beaux messages en privé, que ça soit sur Insta ou même sur ma boîte mail. Franchement, je vous remercie énormément d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à partager autour de vous. N'hésitez pas à faire connaître ma chaîne, hein. Plus vous likez, plus vous mettez de commentaires et plus ma vidéo, enfin ma vidéo, ma chaîne est mise en avant aussi. Donc c'est grâce à vous si il y a aussi de plus en plus d'abonnés, parce que bah, le fait de participer, de réagir à mes vidéos, de mettre un petit pouce, ou c'est pas grand chose, mais ça permet eh bien d'être plus visible aux autres. Donc merci à vous tous de faire ce geste, de participer en activant le petit pouce et puis en mettant un commentaire. Donc merci encore à vous tous. On est arrivé, je sais même plus à combien. Je crois que je l'ai noté, mais je sais plus. Je vous l'ai dit, je crois, il n'y a pas longtemps. On est arrivé à 3480 abonnés. Donc c'est juste énorme. Je suis trop contente. Et ça monte de plus en plus. Donc franchement, c'est top. Et puis voilà. Bon, j'arrête de parler. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vos finances. Et puis bye bye. Ciao!